Bon, cette courte, j'espère, vidéo va vous présenter l'essentiel de la première partie du texte que nous étudions, qui est la scène 2 de l'acte 1, des fausses confidences. Donc, on a déjà vu ces éléments que vous avez devant vous ensemble, en classe, avant d'être interrompu tout à l'heure. Je reprenais là-dedans, donc en fait, les principaux points qu'on avait observés, le renversement, etc., etc. On en était là. Je avais insisté sur une idée que le valet semblait déjà en position dominante. Alors, il y a certains éléments qu'on va observer ici qui vont vous confirmer cette idée-là. Donc, ici, je vous invite à regarder un phénomène assez étrange. Donc, vous avez dans ce passage, dans cette réplique de Dorante, tous les éléments toutes les informations, c'est-à-dire les éléments d'exposition dont le spectateur est supposé avoir besoin pour comprendre la situation. Il y en a certains qui sont signalés ici. Votre parent, vous voyez bien que c'est relativement artificiel de la part de Dubois de préciser que c'est son parent. Donc on voit bien ici le phénomène de double énonciation qui permet à Dubois d'informer le spectateur des éléments vraiment indispensables à la compréhension de la situation. Donc, Rémi est le parent de Dorante. Il va le présenter en tant qu'intendant. Et on a ici toute une série d'informations qui, évidemment, nous renseignent sur la situation qui va se développer. Mais ce qui est assez frappant, c'est de voir que toutes les informations sont données brutalement, j'ai presque envie de dire, de manière très accumulative, à travers une accumulation de propositions subordonnées. Attendez, il y a des trucs qui m'embêtent là. Voilà. Donc ici, par exemple, cette dame dont je lui ai parlé, dont il se trouve le procureur. Bon, mais on remarquera que dans le même temps qu'on donne des informations cruciales, c'est-à-dire il est venu pour une dame, pour être attendant d'une dame, dans le même temps, on fait une périphrase. Cette dame dont je lui ai parlé, dont il se trouve le procureur, ça ne nous dit pas comment elle s'appelle. Donc il y a quelque chose là qui reste de l'ordre du mystère pour le spectateur. Donc c'est à la fois la double énonciation et qui nous informe et en même temps ça brouille un peu les pistes. Même chose avec cette série de subordonnées complétives. Il m'a dit que je me rendis ce matin ici, première complétive, deuxième complétive, qu'il me présenterait à elle. Troisième complétive, qu'il sera avant moi. Quatrième complétive, ou qu'il s'il n'y était pas encore, je demanda si une mademoiselle Marton. On connaît le nom de Marton avant même de connaître le nom d'Araminte. Et donc évidemment, tout ça fait énormément d'informations pour le spectateur. Et on peut deviner que ici, c'est ce que j'ai mis ici, je parlais d'hypotaxe, c'est-à-dire une accumulation de subordonnées, qui crée un effet accumulatif. Et le spectateur, finalement, est moins informé que noyé. Il y a un effet de brouillage, en fait, dans ce passage, qui va permettre, dans le même temps, de faire ressortir plutôt la complicité entre les deux personnages. Alors, il résume la situation à travers un présentatif. Voilà, hein, voilà, voici, c'est, tout ça, c'est ce qu'on appelle les présentatifs. Voilà tout. Donc, il résume cette situation à l'aide d'un pronom qui reste assez énigmatique. Donc, cette combinaison d'un présentatif et d'un pronom contraste singulièrement avec l'accumulation de subordonnées qu'on avait juste avant, et a même un effet comique, parce que la situation est tellement complexe que pour le spectateur, ce voilà tout peut prêter à rire. Ça paraît énorme déjà comme situation, ça paraît très compliqué. Donc on insiste sur la complexité de la situation. Et en même temps qu'on insiste sur la complexité de la situation, comme vous pouvez le voir ici, les négations qui s'accumulent insistent, elles, sur le secret partagé entre Dorante et Dubois. Donc une fois de plus, on est en train d'insister sur leur connivence, leur complicité, plutôt que sur les détails exacts de l'intrigue. Donc ça reprend notre idée de conclusion de la dernière fois, qui disait que finalement, c'est certes une exposition, il y a des éléments bien sûr qui nous sont donnés, mais il y a aussi un effet de brouillage dont il est important de tenir compte, qui permet d'insister sur la connivence entre le valet et le maître, l'ex-valet et l'ex-maître. Autre élément à remarquer, donc ça, cette connivence commence à laisser poindre une sorte d'inversion des rôles. Donc, ce projet dont il est question, de son propre aveu, Dorante n'y croit pas vraiment. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. Alors, pour insister sur cette impression qu'il a, si vous utilisez le mot ressenti, vous êtes mort. Son sentiment, cette impression, c'est pour ça insister sur cette impression ou cette
ce sentiment qu'il est le tien. Vous voyez qu'il reprend le pronom me. Il me paraît extravagant. À moi, ce dédoublement du complément permet vraiment d'insister sur les doutes que lui, Dorante, le supposé maître, éprouve vis-à-vis du projet, ce qui permet d'inverser les rôles. Le maître, Dorante, n'est pas dépositaire du pouvoir, en quelque sorte, il est dépendant de son valet, et donc on comprend d'autant mieux que c'est le valet qui est derrière l'organisation de tout ça. On insiste également très très fort sur la gratitude de Dorante à travers cette litote. Je n'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté. C'est une manière de dire qu'il est extrêmement reconnaissant vis-à-vis de Dubois. C'est une litote. C'est un peu comme « va, je ne te hais point ». La situation qu'il élit est résumée, à l'inverse de l'hypotaxe qu'on avait juste au-dessus, elle est résumée par une série de phrases juxtaposées. « Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle. » Vous voyez qu'il n'y a aucune conjonction, on peut parler de parataxe. Ça donne un résumé laconique de la situation et ça permet finalement de faire comprendre aussi ce qu'il élit précédemment. On observe que ce résumé laconique s'oppose à la reconnaissance. Donc on insiste beaucoup là sur la reconnaissance de Dorante. Il résume la situation très brièvement, de manière laconique, et à l'inverse, il insiste à travers les locutions adverbiales qui sont complément circonstanciel de temps, malgré cela, en vérité, qui sont en début de proposition, il insiste sur, d'une part, la bonne volonté de son valet, il t'est venu dans l'esprit de faire ma fortune. Donc ce malgré cela qui est antéposé insiste lourdement sur la gentillesse, la bonne volonté du valet. Le en vérité insiste sur la reconnaissance, la gratitude que Dorante lui donne. On observe donc une attitude très humble, l'humilité de Dorante, qui permet là aussi de mettre en valeur le rôle déterminant du valet. Dernière remarque, on observe que dans toute la scène, il y a énormément de signes d'affection entre les deux hommes. Donc d'une part, en jaune, j'ai souligné le fait qu'il y a de fait des informations essentielles pour le spectateur, à savoir qu'ils se connaissent, qu'ils ont un projet, et ce projet passe par le fait que il a... Dubois a adressé, c'est-à-dire qu'il a recommandé, si vous préférez, Dorante auprès de M. Rémy. Mais on observe tout en bleu, vous voyez tout ce vocabulaire de l'affection et du service, donc sensible, volonté, récompensé, zèle, reconnaissance, je suis content de vous, excellent homme. Donc là, il y a énormément de termes qui dénotent immédiatement une grande, grande affection, une grande loyauté entre ces deux hommes. Et donc à ce stade de la scène, le spectateur peut se demander... À quel type de projet, cette relation de connivence va être pour quel type de projet va être utilisée? Est-ce que ces deux personnages sont des bandits, des voleurs, ou est-ce qu'ils vont être des gens vertueux? À ce stade de la scène, on ne peut pas le savoir. Tout ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il y a un projet compliqué, une manipulation qui a l'air d'être en train de se mettre en place. Et donc, pour l'instant, le spectateur ne peut pas encore savoir s'il s'agit d'un projet vertueux ou pas. Donc, évidemment, dans la deuxième partie de la scène qui suit, c'est le moment où, justement, on va éclairer la situation pour le spectateur. Voilà, ça, c'est la fin de la première partie. J'espère que cette petite vidéo vous aide à compléter ce qu'on a pu dire en classe.